déclaration du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral à la suite de la publication du calendrier électoral par la CENU ce dimanche 5 novembre 2017. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral s'est réuni ce mardi 7 novembre 2017 en séance plénière ordinaire sous la présidence de M. Joseph Olenga Nkoy-Mokonj, son président. Le CENSA exprime sa satisfaction pour la publication du calendrier électoral par la CENI, fixant à la date du 23 décembre 2018, en séquence unique, l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, conformément à l'accord du 31 décembre 2017. Cette date est le résultat du consensus intervenu entre le CENSA, le gouvernement et la CENI lors de la tripartite tenue au Palais du Peuple du 14 au 18 octobre 2017, ainsi que des souhaits des différents acteurs politiques et sociaux. C'est pourquoi le CENSA invite l'ensemble du peuple congolais à s'approprier du calendrier électoral et à se mobiliser comme un seul homme dans l'intérêt de notre pays pour l'organisation effective des élections libres, transparentes, démocratiques, dans la paix, la concorde et l'unité. Le CENSA exhorte également les institutions impliquées dans la mise en œuvre du processus électoral, notamment le Parlement, pour l'adoption des lois essentielles en rapport avec les processus électoraux, ainsi que le gouvernement pour la disponibilisation en temps opportun des moyens financiers et logistiques requis. Dans la même optique, le CENSA encourage les partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux, à apporter les soutiens et les moyens promis à la CENI pour l'aboutissement du processus électoral fait à Kinshasa le 7 novembre 2017 pour le CENSA, Joseph Olenga Nkoy-Mokonj, président.